Donc il est derrière là le ouais, sommet. On va partir à droite là. Il va se découvrir. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom déjà. Le Rochaille. Rochaille. Donc voilà, parti pour le Rochaille. Ah, c'est une couleur rose, j'ai été en condition. Oh, ça fait le bonheur. Lequel? Celui qui va nous sommer là. Ouais. Tu penses qu'il sera. Ah, il va pas être assez large, on dit. Peut-être monter et redescendre rapide, c'est ça? À mon tour. Magnifique. Apparemment le chemin passe à gauche. Dernier coup de cul avant le refuge. Ouais. Nous avons un animal non identifié. C'est un chamois ça. Là-haut. C'est identifié, c'est un chamois. C'est un chamois. Voilà. Il monte la garde du Rochaille. J'aime bien les noms des sommets, c'est toujours un peu marrant. Et regardez-moi cette vue absolument splendide. On arrive au soleil. Magnifique. C'est de toute beauté. Petit bouquetin là-bas. Ah mais il y a toute la famille en fait, hein. Un bébé bouquetin, t'en avais vu, je pense, c'est un fameux, je crois. Ouais, possible. Ah mais il y en a un juste là aussi. Ouais. C'est tellement beau les amis, c'est tellement beau. Aiguilles d'arbres là-bas. On est en milieu de course et on est à quelle altitude là? 2230. On chausse les skis. On va aller dans la petite combe là-bas. Ah ouais. On a déjà commencé à repérer les petits couloirs, pas très raides mais juste là, là. Peut-être qu'on les tentera à la descente. Inch'Allah comme on dit. Vas-y monte Geoffrey. Voilà. Comment faire 1600 mètres de dénive et on va
faire en... 2005 en réalité. Ouais, en ayant l'impression d'en faire 2005. La peau elle est trempée en fait. Ouais. Donc petite technique apparemment pour pas botter, il faut mettre de la crème solaire sur les peaux. Ah. Au moins vous ne pourrez pas dire que vous saviez pas. Si j'en avais de la crème solaire de merde, j'en mettrais, mais. Ouais. On va remonter toute la petite combe et passer par là. Les jolis couloirs qui sont là. Et on continue là-haut. On a enchaîné les premières conversions de la saison avec brio. Ça passe bien. Regardez-moi cette vue avec la petite lune là-bas. Ça commence un peu à piquer pour la team, mais on ne lâche rien, hein Geoffrey? Olé. Toto qui rate sa conversion. Il nous reste un bon 200 mètres pour arriver au col. Et de là, on va se tromper. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une grosse rampe. Ouais. Droite, hein. Ouais, on dirait qu'il y a une rampe, ouais. Mais la sortie a pas l'air ouf. Là-bas, là. La sortie a l'air pourrie, par contre. Bah, on va bien voir, hein. Ouais, ouais, bah on verra si en haut il nous reste un peu de jus en fonction de l'horaire et tout. Ouais, c'est surtout pour l'horaire moi, que je me pose des questions en fait. Ok. Tu vois, si c'est si que moi à descendre à Grenoble, je pense que je vais tout de suite à l'autre. Ouais, ouais. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'à chaque pas, je mets au moins 50% d'effort en plus que toi. Bon, du coup, le col ou le sommet, ce sera pas pour aujourd'hui. On est un peu pressé par l'horaire. Et la neige est franchement pas ouf. Comme peut en témoigner Geoffrey. À monter, c'est de la merde. Ouais. Toute croûtée et gelée avec une fine couche de poudreuse au-dessus. Du coup, on glisse même avec les couteaux, c'est pas évident. Donc, on va déjà se faire cette belle descente. Bien méritée. Ouais. Et le Mont Blanc là-bas, majestueux. 2770. Combien? 2770. On est à 2770. Voilà. Et on a fait combien de dénives? 1300. 1300. Eh ben, voilà. Là ça a l'air meilleur. Ah ouais, ouais bof en fait.
l'air d'avoir plus de neige là-haut. Ouais. Ah, je crois que c'est un peu galère ce truc là. Neige pas facile à skier. Croûtée par endroits, poudreuse à d'autres endroits. Gelée en dessous. Ouais, c'est pas ouf hein. Bon, on va tenter d'aller par là. C'est quand même mauvais hein. Ouais. Je crois qu'elle est là la rampe là. Ouais, c'est ce que j'ai trouvé. Donc là, on a descendu ça là. Et c'était bien de la merde. C'était tout gelé. Et c'est un peu raide. On a descendu en feuille. Comme des pros. Et là, on s'apprête à rejoindre notre trace. Parce que les couloirs, les conditions sont vraiment merdiques, donc on a décidé de pas y aller. Ouais, c'est bien merdique. Ça se finit en ski caillou. Bon, désolé, j'ai pas pu filmer le ski qu'il y avait pour la descente là. J'avais pas mon harnais et c'était un peu la galère de tenir la perche avec cette neige de merde. Donc désolé pour ça, mais j'espère que vous aurez kiffé la montée. Examinons les dégâts. Ouais, là il y a un peu de. En fait, il n'y avait pas. Ça va encore. Hein. Il n'y avait pas. Retirer le fart en excédent. Oh putain! Mis à... Attends, pour le mettre en pause, pour le mettre en regard. Regarde celle-là. C'est de la neige ou c'est la. Ah non, 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 c'est pas de la neige, non. Ça te paraît pas, c'est ça? Quoi? Ouais, j'ai une bougie, ouais. Et voilà, on est arrivé à la voiture. Après 800 mètres de portage et 600 mètres de ski, c'était pas la sortie de la journée, je pense qu'on peut se le dire. Mais c'était quand même sympa. Voilà. Content de partir, content d'arriver, comme on dit, hein. Voilà. Et bah, magnifique sortie en tout cas. Hein. Là-bas, là. Tout là-bas. Quelques coups, hein. Ouais. Pas grave. Allez, ciao.